demande d'éviter de faire des prises dans une salle de poursuite. Vous pourrez vous déplacer dès l'extraction de la consigne attachée moins comme tout. Nous vous demandons de la conserver attachée lorsque vous avez agi. Faites vous place informatique de notre sport park, le lieu de la palette de Sigeon est bien servi. Continuez le travail, ça s'en fait with both detectors and arrivals from the kitchen. You may get a piece and walk around what you see better at this moment, who wants to see person more specific. Madame, Monsieur, Austin, France est au service de votre mobilité en France et en Europe. Profitez de notre offre de presse digitale gratuite 24 heures avant votre prochain vol en téléchargeant votre application Air France Presse et hors de Sion. Dans quelques instants, nous vous proposerons notre service en vol. Air France facilitates your mobility across France and Europe. Benefit from our free digital media offer available from 24 hours prior to your next flight. Download our Air France Press and upload your application. We will shortly begin our in-flight service. C'est la seule qui n'a pas voulu d'interview, évidemment. Donc je vais parler à sa place. Hein. À vous de deviner ce que représente cette toile. Il y a plein de choses, il y a plein de symboles. Je ne vous dirai pas ce que je sais. Une installation devant. Ici, je ne peux pas interviewer l'artiste puisqu'il n'est pas encore arrivé. Voilà. Avec de la récup. Voilà. Vous voyez ce qu'il nous fait. Non, mais il est sous les mains. Ça, c'est ma copine. Ma copine. Mon copain, je ne sais pas. Voilà. C'est Jeff Olsen. C'est un peu space, vous allez voir. J'espère qu'il n'y a pas d'âme sensible ici parce qu'on se remet de la mort. On se remémore. On se remémore. Bon, je vais voilà. Un cercueil un petit peu particulier. Qui m'irait bien d'ailleurs parce que, comme vous savez, je suis une accro de l'ordinateur. Elle est morte, Adèle. Bon, souris. Smile. Celui-là, vous connaissez bien. On va la montrer sur Facebook. Il fait miroir. Un rêve. Particulier, hein, particulier.
quoi faire de vos aspirateurs, eh bien, il vous suffit de contacter Jeff Alsace. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est ici, c'est bon, Jeff. Et après, ça peut t'intéresser quand on peut obliger, tu vois. Alors pendant que Céline installe les petits papiers, notre papa Vassilou est en train de peindre. Qu'est-ce que tu nous fais là? Elle m'a demandé une peinture. Donc voilà. Ah, c'est une des petites toiles à gagner lors du tirage au sort. Voilà. C'est ça, oui. Donc j'en fais une sur place. Le visage va revenir après. Ça, on a déjà tracé. C'est une mini performance. Tu vois, ça va sécher. Ça va pas. Quel coup de pinceau. Voilà. Merci papa. Eh bien, je vois par ici le travail à bourse. Petit à petit, le mur se remplit. Ça bosse. Et les deux frangines télo, là, travaillent. Hein. Céline Guiberto qui ne veut pas que je l'interviewe, qui se cache partout où je suis. C'est les types. Oui, c'est la seule que je peux pas interviewer. Alors, Séverine, qui est en train d'habiller un mannequin avec sa robe pour faire les finitions. Voilà, cette robe qui a fait fantasmer tout le monde sur Facebook. Mais alors ce soir, vous allez la voir autrement, sur un vrai corps. Un corps somptueux d'ailleurs. Un corps. Elle va être en mouvement. Elle va être en mouvement ce soir-là. Là, c'est bien parce que j'ai tape en terre avec toi. On la voit pas bien que le soleil pour l'instant. Allez, je te laisse travailler, ma belle. Stéphanie et Julien, avec ces belles sculptures mannequins, je ne sais pas comment. Oui, ce sont des mannequins, on a presque envie de la sculpture, tellement il y a du travail dessus, c'est... Vas-y, explique-moi tout ça. Alors, moi j'aime bien travailler les thématiques et faire un mannequin que sur un thème. Alors, pour parler, par exemple, les bonbons, les timbres, utiliser... Les bonbons. D'ailleurs, on s'est donné un cœur joie avec nous. On a mangé. Oh là là, et tu as mangé tout ce que tu as collé là? Quasiment, parce qu'on a eu vachement mal. Tu peux m'expliquer ta main sort là? Ma quoi? Ta main sort et tout ce que tu as mangé là? Bah oui, mais je crois que c'est une année de speed quand j'ai travaillé celui-là. J'ai travaillé en même temps celle avec les paillettes là, parce que j'étais vraiment dans les starting blocks. Je voulais les finir, spécialement ici d'ailleurs. Et donc, du coup, et cette passion t'est venue comment? J'ai toujours aimé les corps, que ce soit féminin ou masculin. J'aime les formes, j'aime tout ça, donc j'aime les travailler, j'aime leur donner encore plus de beauté, quelque chose d'autre. J'aime leur donner vie en fait.
Mais j'ai joué jusqu'à mes 16 ans à la poupée, hein, c'est peut-être ça aussi. Ah. En tous les cas, elle te donne aussi beaucoup de satisfaction parce que non seulement elle te plaise, mais en plus elle plaise énormément à tout le monde. Voilà. C'est du beau travail. Très beau travail. Priscilla Mott va nous expliquer ce qu'elle fait. Alors, Priscilla Mott, c'est aussi, vous connaissez tous, hein, tous sur Facebook, là, vous avez tous vu l'histoire du château avec Vernier Mott. Ouais. Alors, raconte-nous un petit peu toutes ces sensuelles sculptures. Si tu le dis, c'est que elles sont très sensuelles. Attends, tu sais, elles ont eu énormément de succès sur Facebook, et c'est pour ça que je fais un petit reportage pour nos amis qui ne sont pas là, qui n'ont pas pu venir. Oui, alors, c'est évidemment... quelque part, la présence des corps qui est importante, le côté tactile aussi, du toucher, éventuellement intervenir si on le pouvait. Ah, je me le permets, et c'est vrai que c'est très, très, même la matière est très sensuelle. Mais dans le travail de la réalisation, en fait, il y a eu un départ autour d'un moule d'un corps humain. Et ensuite, ce sont des plaques de polycarbonate que je chauffe et que je tends sur la forme, mais avec énormément de force et énormément de chaleur pour pouvoir épouser les plis et puis donner une impression de vivant, enfin d'une peau qui est en train de bouger. Mais c'est vraiment ça, on voit le mouvement du corps en fait, hein, sur la peau. Et ça, c'est vraiment ce que je voulais, parce que bon, avec cette matière, il n'était pas facile d'exprimer un corps vivant. Et en même temps, c'est aussi une réaction par rapport à des événements qui se sont passés. C'est-à-dire que là, c'est du plastique. Alors, le plastique, ce n'est pas une matière noble, mais le plastique, ça a été aussi choisi parce qu'en fait, je trouvais qu'avec toutes les agressions humaines d'aujourd'hui, eh bien, on prenait l'humain comme une bouteille. C'est-à-dire que l'humain, on peut taper dessus, on peut viser dessus, tuer, hop, c'est fini. Mais non, la présence est là, l'esprit du corps est là, et on peut imaginer la suite. On peut imaginer, en fait, même ce prolongement entre la vie et la mort. Et la mort, si on y tient beaucoup, si on réussit à converser avec les personnes qui nous sont chères, eh bien, on continue à les sentir, on continue à les imaginer dans leur mouvement, dans leur corps, dans leur épaisseur. Et je pense que c'était intéressant de faire le lien entre le vide du corps et le corps en lui-même. Parce qu'en fait, souvent le corps est habillé. J'ai travaillé pas mal de pièces en textile. Mais là, c'était important d'arriver au corps nu et puis de lui donner justement une constance de vivant. Ben c'est très bien. Voilà. Je te remercie. Très belles explications et avec un très bon sens suite à tout ce qui s'est passé. Merci. Bonjour Catherine. Alors, je vais te demander de te présenter et dire un petit peu ce que tu fais comme art. Alors, Catherine Zgoraki, je suis originaire du bassin minier, donc je découvre aussi aujourd'hui le lieu. Là, ce qui est exposé ici, dans le cadre de cette exposition, ce sont des empreintes métalliques qui ont été réalisées sur des sites industriels. Là-bas, c'est ça, hein? Oui, d'accord, j'avais vu ça sur ton... C'est superbe. Et donc... Et ces fameuses palettes, parce que qu'on a appelé la chambre de torture sur Facebook, parce qu'on dit ça pour nos amis Facebook qui vont dire. Ah, je l'ai pas vu. Tu l'as pas vu? Non, c'est pas bien ça. Donc, on l'a appelé la chambre de torture, on a fait une histoire. C'est vrai? Ouais. Alors, dis-nous, explique-nous un petit peu ce que. Bah, c'est une chambre de torture, justement. Non, sérieusement, c'est. bon, l'idée est pas d'aujourd'hui, l'idée, moi, c'est quelque chose que j'ai déjà monté dans le cadre d'une exposition à la Mac de Sablé. En plus grand, évidemment, puisque la salle était plus grande. Mais l'idée de cette expo et d'ici aussi, c'est que la lumière qui viendra éclairer les empreintes ne sera issue que de la construction de palette. D'accord. Et symboliquement, cette cage, c'est la cage qui descendait des mineurs au
fond du fil. Voilà. D'accord, c'est un symbole. Dans la mesure où c'est, voilà, c'est deux empreintes qui sont présentées, où tu as réalisé sur des cibles. Très bien. Ben, je te remercie, Catherine. Voilà. Comme ça ? Oui, parce que sinon, vous ne voyez pas son dos. Tu vois, lui, il a camouflé que là, mais il vient là, on voit son dos. C'est plus que ce que je fais pas, c'est plus que je quand il passe. Il s'accroche. Tu veux la mettre un peu plus haut ? Non, on ne voit pas. Voilà, parce que c'est bien, on voit un peu mieux. Voilà, c'est plus que j'en peux pas. Chaque peintre, chaque artiste. Et je vais te demander un petit peu de quoi tu t'inspires quand tu fais tes photos, Véronique Tello. Alors, en fait, j'ai aucune inspiration. C'est ce que je vois, c'est ce que je ressens, c'est des moments, c'est des clins d'œil, c'est des coups de cœur. Voilà. Et c'est ce qui fait que je fais toutes ces photos-là. Des coups de cœur dans l'instant. Voilà. Donc, elle va nous rendre ce mur de photos. Eh bien, je te laisse continuer ton Insta. Merci beaucoup, Léa. Merci à toi. Et la petite sœur en train d'aider sa grande sœur. Non, c'est la grande sœur et la petite sœur. Je ne sais pas, je ne connais pas vos âges. Donc Florence Cello. Oui. Florence Cello qui va faire partie de la perf écriture. Mais ça, on en reparlera plus tard. Voilà. Alors Aliette, je suis en train de faire un petit reportage pendant le montage. Qu'est-ce que tu vas nous préparer, Aliette? Ben moi, je présente des projets avec les couteaux que je passe des heures à ramasser sur les plages de la Côte d'Opale. Mmh. Et donc, je présente un grand tableau qui s'appelle La Grande Vague de Kanagawa. D'accord. Magnifique. C'est inspiré par l'artiste Okuzai qui a fait l'estampe qui s'appelle La Grande Vague de Kanagawa. Donc voilà, depuis une dizaine d'années, je travaille sur les éléments, la mer et tout ce qui peut m'inspirer. Après, je présente une sculpture. Et puis après, je vais présenter un ensemble de 9 tableaux qui s'appelle Test de Rorschach. Donc c'est des moules des sables où j'ai dessiné au goudron dedans et ça fait comme des animaux étranges, comme si la mer elle avait ingurgité trop de goudron, trop de pollution et que ça crée des personnages complètement surnaturels. Voilà. Merci Aliette. De rien. Christophe Cattel, bonjour. Alors je voulais te demander un petit peu ce que représentait pour toi cette œuvre, comment tu avais eu cette idée de... Moi je vois vraiment une fluidité dans ton œuvre. Moi j'aime les filets mots. Je suis un sculpteur et si je savais en parler, je serais écrivain. Donc je travaille avec ma tronçonneuse, avec mes outils, et ouais. Pour le reste, c'est votre interprétation. C'est pas mon problème. D'accord. Mais merci. Le petit bisou de la fin, il est bien. Ah ouais, ça c'est bien.
Non, parce qu'il faut savoir que c'est un comique en fait, il fait son sérieux là, mais si vous voyez ce qu'il nous a dit avec ce qu'il est en train de mettre là entre le. Enfin bref. Voilà, là il fait le sérieux, mais en réalité, voilà, je vous dis la vérité comme ça et j'arrête la vidéo ici. Va pêcher, allez voir de l'avant et de toi me noyer. Me noyer de bonheur en pensant à demain, ne pas avoir peur de ce qu'est le destin. Nager la douce amitié et cette solitude, regardant dans la vie sans la moindre inquiétude. L'horizon qui attend pour créer mon corps à l'eau, pour ce paradigment où sont pris les mots. Retrouver les sourires quand sur terre ils se meurent, effacer les soutiens quand la vie de l'école. Chanter les mots d'amour pour mon âge et l'espoir, oublier pour toujours toutes ces balades de mouvoir. Retrouver la lumière et sentir ses caresses, en ce bel univers en brûlant dans l'ivresse. Combattre toutes les haines et remplir toutes nos âmes. De toutes nos pensées saines, sans barbarie sa femme. Se remplir de douceur, au bout de sa vécu, sentir battre son cœur, sans bâton sur la pure. Écrire, à tout jamais, tout le bonheur de vivre, pour retrouver la paix et l'amour qui rentire. Comme un hymne à l'espoir, enfer contre tout. C'est fantastique, voilà. C'est, moi, j'ai pas d'interview, je me la fais toute seule. C'est tout à fait normal qu'on entende ma voix parce que c'est ma perf patate. Ah, d'accord, j'arrive pas à l'enlever. Ah, j'adore. Ben voilà, ça, c'est ce que je fais moi. C'est-à-dire que les gens arrivent dans le château et ils entendent ça quand ils arrivent en montant l'escalier. La voix de tous les auteurs. Florence Thénault, Monique Defoe et Léa Dufy. Nous sommes dans le studio photo de Lydie. Lydie qu'on a tous admiré, vous avez tous flashé, messieurs, mesdames, sur les photos que nous avons affichées sur Facebook. Et donc maintenant, Lydie va vous parler. Simplement de son travail. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors, mon travail, tout d'abord, je vais dire que c'est pas un travail, c'est un plaisir, c'est surtout un besoin de m'exprimer. La photo, c'est vraiment venu par hasard. Un jour, j'ai saisi mon appareil et j'avais personne sous la main, donc je me suis prise en photo et c'est comme ça que j'ai commencé à faire de l'autoportrait et ça m'a plu. C'est une démarche qui me plaisait parce qu'on est des deux côtés de l'objectif. Alors, c'est pas évident, justement, si vous m'interrompez, mais beaucoup se posaient la question, comment fais-tu pour arriver? Parce que c'est vrai que c'est difficile et ça paraît, on a tous eu la même réaction quand on a fait ton petit reportage sur Facebook. Comment fait-elle pour, à la limite, courir sur ton lit, par exemple, pour te prendre en photo? Et puis, quand t'as... moi, ce qui m'a épaté, puisque j'étais dans l'éclairage avant, c'est comment fais-tu pour élever ta lumière sur ta photo? Alors, pour la lumière, c'est exclusivement de la lumière naturelle. Donc, je fais quasi la totalité de mes photos au même endroit, avec, dans une pièce où j'ai la chance d'avoir deux grandes baies vitrées. Et donc, le fait de toujours être au même endroit, ça m'a appris à maîtriser justement cette lumière. Mais tout ce soleil qui tourne. Un chapeau. Chapeau, bah, parce que c'est pas évident. Parce que la lumière est parfaite. C'est vrai que c'est pas ton travail était pas tout. Merci. Merci à toi, parce que c'était vraiment un plaisir de découvrir. Et puis de découvrir encore ce soir cette magnifique œuvre qui nous expose. Alors bien sûr, on reconnaît les œuvres ici de Jean-Luc Bonduo. Jean-Luc Bondo qui est devant moi, qui va se présenter un petit peu. Alors Jean-Luc, dis-nous un petit peu ce que tu ressens quand tu viens exposer comme ça, dans des manifestations telles que celle-ci. Ben, une belle surprise de rencontrer plein de gens nouveaux, comme toi.
et plein d'autres ici aussi avec qui j'ai déjà fait connaissance grâce à Facebook et Céline, voilà tout ça. Et c'est une joie d'être là. C'est pas une expo comme les autres, c'est une expo heureuse. Et c'est franchement une joie de rencontrer Cyr Bondieu. Cyr Bondieu du château d'Aftra. Voilà. Voilà. Voilà, voilà, comme ça on découvre un peu ses œuvres avec lui. Alors parle-moi un petit peu de celle-ci, parce qu'elle m'intrigue beaucoup depuis ce matin. Celle-ci, bah écoute, il y a quelques. C'est pas une récente, elle était reprise il y a pas longtemps, mais c'est pas une récente. Je travaillais souvent sur les good people, bon, sur les gens qui traversent les mers. Pour... D'ailleurs, et là c'est la dernière joyeuse. J'arrive plus à faire des bateaux qui traversent les mers. Eh oui, évidemment. Voilà. Ils sont plus torchés, c'est sûr. Mais avant, quand on disait, mais c'est qui ces gens? C'est les gens qui quittent leur pays parce qu'ils sont avec le parce sourire. Qu'ils la guerre, tout ça. Mais dit, ils ont le sourire, bah oui, mais parce qu'ils partent avec l'espérance de vivre meilleur et nous on les fout de mort. Voilà. Voilà. Moi, c'est comme ça que j'aimerais qu'ils arrivent. C'est bien, Jean-Luc. Voilà. C'est très bon. Allez, bien, écoute, merci à toi pour ce petit clin d'œil. Voilà, tout le monde connaît maintenant Jean-Luc. Et merci à toi. Alors, moi, c'est Isabelle Venet. Voilà, donc je suis peintre. Et là, je vais vous présenter, par exemple, cette peinture qui a été faite... J'ai fait beaucoup de voyages, j'ai notamment été en Afrique et puis en Chine, j'ai pas mal exposé en Chine. Et ça c'est une peinture au retour de la Chine, à partir de la cité interdite avec tous les mystères qui se passent dans cette cité. Ensuite là c'est une peinture que j'avais faite lors d'une exposition sur le thème de l'écriture. Et j'ai fait comme une écriture automatique avec mes mots de passe que je suis toujours en train de perdre. Alors en fait, au départ, je pars d'un mot, mais ça devient vraiment un signe automatique. Mais il y a quand même mes chiens, mes petits-enfants, dans mes mots de passe. Voilà. Super. Bien expliqué, et vraiment c'est très 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 beau ce que tu fais. Merci. Ça me fait plaisir de présenter. Merci à toi. Alors, je vais sonner, je vois qu'il y a une sonnette ici. Il y a quelqu'un, on m'appelle, on me demande, on a besoin de moi. Mais je m'assure tout d'abord... Jefferson, c'est bien vous? Oui, je m'assure, c'est bien vous. Je m'assure tout d'abord de l'identité de ma visiteuse. J'avais hâte de te rencontrer, Jefferson, parce que là, vraiment, tu fais quelque chose de très particulier. Voilà. Hein. Tu as un art très particulier dont j'aimerais vraiment que tu me parles. Oui, bah, passe par la porte à sécurité totale. Ah bon, là, ça ne va pas sonner quand je passe, c'est bon? Allez, voilà, ça va. Voilà. Donc, nous, bah, on ouvre là chez nous, comme ça. Et donc, c'est quelques œuvres de l'atelier de... Plan du musée populaire des arts et traditions néo-conceptuelles, entièrement sponsorisé en nature par la Jet Society, hein, dans le cadre du développement hors durable. D'accord, ok, c'est très long. Enfin, tous les cas, tout le monde s'arrête très longtemps chez toi, Pierre. Bien sûr, moi, je te dis franchement que celle-ci, c'est ma préférée, c'est ta création préférée. Je l'adore. Et celle-ci, je veux le même cercueil parce que je suis une accro de l'ordinateur. L'œuvre de ma vie, c'est le dernier modèle de Steve Jobs, le Mac AB dans son monde code. J'aime beaucoup et elle est morte à Adèle. Et puis aussi, j'ai trouvé très très amusant, on se remet mort. Hein, non, c'est vraiment, le moment. Tu es quelqu'un comme moi qui aime jouer avec les mots, donc j'ai beaucoup aimé. Voilà, je te remercie. Merci.
j'aimerais vraiment en acquérir. C'est gentil, mais moi je suis très intéressée par votre robe, parce qu'elle est vraiment fantastique. Voilà. Dites-moi, quelle est la créatrice? C'est autre que Séverine Sago. Séverine Sago? Enchantée, Séverine. Enchantée. Non. J'ai chose de poser à côté de ma crête. Oui, mais sans toi, elle n'aurait pas pu vivre. Thank you.
Thank you.
probablement la robe de Séverine Salot. Ah, merci. Très belle création, Séverine, que l'on voit dans le fond faire des photos. Alors, Abigail, je sais que toi aussi, tu fais tes propres créations. Est-ce que tu peux parler un petit peu de toi, quand même, aussi? Alors, moi, je fais des créations beaucoup en laine. Et c'est des pièces uniques. Je me laisse mes mains parler, mon cœur parler. Et je fais comme ça, c'est... Alors moi, je dis à découvrir les œuvres d'Abigail aussi, qui sont vraiment superbes. Et elle porte superbement la robe de Séverine Sago que nous voyons ici. Coucou. Et... On va ensemble, avec la clique. Papa. Celui-ci, c'est vraiment le dernier. Bon, ça se voit qu'on a pleuré, parce qu'on a pleuré. En fait, on a pleuré parce qu'on est triste de se quitter. Et qu'on est triste de quitter Abstract, enfin moi, parce que l'autre, dans la Liva, il retourne. Mais moi, je viens plus. Moi, je ne viens plus. Maintenant, il est l'heure de l'aéroport. Bon, ben, salope, vas-y. Mais non, on vous fait des gros bisous. Ouais, gros bisous. Merci pour tous ces bons moments, les artistes. Merci, Céline. Merci, tout le monde. Et... A presto, presto. Et à vendredi. Écoute, Céline, Abstract nous a comblés, on vient te remercier, on n'oubliera jamais. De ces journées, on emportera de chacun le meilleur de soi. Non, 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 ne pleure pas, non, ne pleure pas. Tu as toujours de beaux yeux. Ne pleure pas, non, ne pleure pas.
as fait de nous des êtres heureux. Tu as fait de nous des êtres heureux. Love my soul.